Eh bien, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les vidéos de Lorenzo. Alors, si vous vous rappelez bien, dans la vidéo précédente, je vous avais présenté un pack de 5 voitures Cars. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 voitures Hot Wheels. Donc, je vous les mets juste ici. Donc, voilà les amis, les 5 voitures. Nous allons commencer tout de suite par cette voiture-ci. Alors celle-ci, c'est une voiture que j'aime particulièrement car elle ce jaune avec le tigre là sur le côté. Regardez, c'est un tigre. Alors la caméra n'aime pas trop les choses qui zooment. Cas, c'est une très jolie voiture, hein. Avec le noir et le jaune se marient super bien, en tout cas. Elle est vraiment très très belle. Et celle-ci, est-ce qu'elle a un nom? Alors, je le mets là. Non, celle-ci n'a pas de nom. Bon, mais tant pis. Donc, on va dire que c'est la voiture tigre, hein. Donc, ensuite, la voiture suivante. Et eh ben c'est celle-ci. Donc celle-ci, tout le monde la connaît. Car cette voiture-ci, on la reçoit dans tous les packs Hot Wheels. Que ce soit les Color Shifters ou autres. Donc voilà, donc ça c'est une voiture de sport. Regardez la calandre à l'avant. Avec le logo Hot Wheels. Alors voilà, je le rapproche un petit peu. Avec ce orange là. Donc celle-ci, ce n'est pas une Color Shifters. C'est une voiture normale. Qui brille un peu d'ailleurs, regardez. Tout cas, ces roues à l'arrière sont énormes. Donc celle-ci, j'espère qu'elle a un nom. Alors, je vous le mets là. Alors, oui, celle-ci a un nom. C'est écrit tout en bas, c'est Torque Twister. Qui est écrit juste en bas. Donc, une voiture orange brillante à touche jaune là et noir. Donc voilà. Donc la voiture suivante, les amis. Alors ça va être celle-ci. Alors notamment une très très belle voiture. Avec les roues vertes, une très grosse roue verte à l'arrière et des petites à l'avant. Et regardez, cette voiture appartient au Joker. Alors pas au Joker quand on joue aux cartes, le Joker dans le film. Parce que sur la portière, il y a marqué The Joker. Et en plus, ce sont ses couleurs, regardez, le violet et le vert. Donc ce sont exactement les mêmes couleurs. Donc c'est sur les deux portières. Est-ce que c'est marqué derrière? Oh non, derrière non plus.
tout cas, elle est très très belle là, avec les peaux chromées là, qui sortent et la tête de mort. Et la tête de mort à l'avant. Là. Donc voilà, une très jolie voiture. Alors, et celle-ci, est-ce qu'elle a un nom? Alors, celle-ci, est-ce qu'elle a un petit nom? Alors, je vous le rapproche. Alors. Donc, la caméra ne zoome pas très longtemps sur la voiture, ce qui est bien dommage. Donc voilà, donc son nom c'est Bonne Shaker. Bonne Shaker. Le hot rod du Joker. Donc la voiture suivante, alors, ce sera celle-ci. Alors celle-ci est vraiment très très jolie aussi. Car si vous regardez bien sur le toit, vous voyez un squelette de Triceratops. Alors, donc vous avez vu, hein, vous avez remarqué que c'est un Hummer. Notamment sur les portières avec le squelette de Triceratops. Et les roues pleines de terre. Alors, soit de la terre, soit c'est qu'il a roulé dans la. Dans. Dans. Comment on appelle ça? Dans de l'herbe vraiment très très verte, c'est coulé aux roues. Avec là aussi le pare-choc chromé. C'est, ça fait vraiment très très beau. Pas le pare-choc, le châssis chromé, pardon. Et son nom? Est-ce que celle-ci a un nom? Alors, je vous le mets là. Espérons que nous allons le voir, car la caméra n'aime pas trop les trucs brillants. Alors, on ne le voit pas très bien. Voilà, donc c'est General Corp, qui est écrit juste en bas. Alors, ce n'est pas un C, hein, c'est un G. On dirait un C, mais non, c'est un G. Pour Général, hein. General Corp. 4x4 Hummer. Donc ensuite, passons à la dernière voiture, les amis. Alors, c'est celle-ci. Donc cette voiture est très jolie. Car elle a des caractéristiques avec Doc Hudson que je vous avais présenté dans la vidéo précédente. Le voilà d'ailleurs. Vous trouvez pas qu'elle se ressemble un peu? Moi, je dirais que c'est vraiment Doc Hudson, mais en voiture réaliste. Donc, cette voiture un bleu. Alors, je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais c'est un bleu un peu pailleté. Légèrement, mais un peu pailleté. Regardez, quand on la pose, vous voyez, on voit même pas ses roues arrière tellement qu'elle est basse. Alors on voit ses roues avant, et vous voyez là, ce n'est pas dessiné, et en fait, les roues sont rentrées à l'intérieur et on ne les voit même pas. Avec les flammes sur le côté. Ça fait vraiment très très classe.
voilà les amis. Donc du coup, je vous avais dit que dans chaque vidéo, il y aurait une sur... dans chaque vidéo twist, il y aurait un monster truck. Alors je vais vous en chercher un et je vous le présente tout de suite. Donc voilà les amis, c'est bon, je suis allée chercher le Monster Truck. Donc, alors après Maxi, aujourd'hui c'est au tour de Blue Thunder. Donc oui, lui aussi est un très 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 beau, est un très très beau Monster Truck avec les éclairs. Là, regardez la foudre. Tombe. Regardez, c'est bien marqué Monster Jam hein, sur l'aile. Monster Jam. Alors lui également est un pick-up, car vous voyez, c'est, il a une benne. Bon, la benne ne sert pas trop, n'a pas de plancher, car dessous c'est le moteur. Lui aussi est très maniable, notamment comme Maxi, hein. Donc voilà les amis, alors c'est tout pour cette vidéo. Alors aujourd'hui on aura vu la voiture Tigre. Nous aurons vu Général Corp. Bone Shaker, Torque Twister. Alors je me rappelais plutôt de son nom. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire le nom de cette voiture. Alors je sais pas si celle-ci en a un. Non, bon celle-ci n'en a pas un. Bon, c'est pas grave. Donc la voiture Flamme et nous aurons vu aujourd'hui le Monster Truck Blue Thunder. Alors retenez bien leur nom. Alors aujourd'hui on aura vu non. Oui, alors aujourd'hui on aura vu Blue Thunder et la semaine dernière pas la semaine dernière il y a quelques jours je vous avais présenté aussi Maxi. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo les amis. Alors abonnez-vous si ce n'est encore pas fait. Lâchez un maximum de pouces bleus, franchement ça me fait super plaisir. Mettez des commentaires si vous avez des questions à me poser. Partagez la vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.